gagne du poids, putain. Aucun signal. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah! Mesdames et messieurs! Bonjour, je me présente, je suis l'agent d'entretien. Dehors. Vous regardez dehors. Il y a des zombies partout, partout, partout. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe? Dehors, dehors. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. En fait, je suis tout seul ici. Nous sommes dans un studio d'enregistrement pour les informations. Et là, c'est un flash spécial. Monsieur, madame. C'est la guerre nucléaire! Ne sortez pas de chez vous. Plus personne ne sort de chez lui. Il y a des zombies partout, 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 partout. Prenez un balai pour vous défendre. un balai, parce qu'avec un balai, on peut frapper, on peut frapper. Mesdames et messieurs, c'est important. Ne sortez pas de chez vous. C'est dangereux. Il y a une explosion nucléaire, comme une troisième guerre mondiale. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais je peux vous dire qu'il ne faut pas sortir. Il ne faut pas sortir. Non, mesdames et messieurs, je serai là. Et jour après jour, je vous donnerai des informations spéciales pour vous tenir au courant. Mais qu'est-ce qu'il raconte cet abruti? Une guerre nucléaire? Pff. Oh mais ils auront jamais les couilles de le faire de toute façon. Quoique... Mon Dieu... Qu'est-ce qui a pu se passer? Hier encore, je me bourrais la gueule avec les potes. Et maintenant? Non, mais c'est pas possible, c'est un cauchemar! Faut que je me réveille, là! Je dois appeler quelqu'un, je dois savoir! Aucune tonalité. C'est une femme de merde! Faut que j'aille chercher des provisions. Il doit y en avoir dans la maison, je dois tout ramener ici. C'est plus prudent. Surtout que, si l'autre dit vrai... Des zombies, non mais... Des zombies! On n'est pas atterrés, putain! Putain, des gâteaux apéro et des biscottes. Je suis pas allé chier loin, je vais devoir sortir vers les zombies. Bordel! Faut que j'économise tout ça. Sinon, je suis pas dans la merde. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce que je peux foutre, moi? Zombie dehors. Je dois m'occuper ici, jusqu'à la fin de mes jours. Au moins, j'ai de quoi lire. Et de quoi m'occuper, avec tous les jeux que j'ai que je devrais finir. Maintenant, j'ai tout le temps d'y jouer. C'était pas un mauvais rêve. Ah mais y'a pas le mec qui doit faire les infos là. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous avez vu mon professionnalisme? Je dis bonjour aux gens. Bonjour maman. Il est important que je vous signale que les zombies ont tout envahi. Je sais pas s'il y a encore des gens qui me regardent.
Mais si c'est le cas, faites attention. Il faut vous armer. Oui, vous armer et vous barricader. Alors, en armes, il y a des trucs vachement bien, comme la batte de baseball, un balai pour un agent d'entretien. Sinon, des trucs un peu plus subtils. Machette, fusil à pompe, enfin, tout ce que vous pouvez trouver. Il est important que vous vous défendiez. Nous entrons dans une nouvelle ère, après l'ère glaciaire. C'est l'ère des zombies. Il faut absolument vous protéger. Et dans le cas où je suis tout seul et qu'il reste une nana... Mon numéro, c'est le 06 27 32 64 17. Mesdames et messieurs, votre attention m'entretient pour les informations. Bon, c'est vrai. Les zombies ont envahi toute la Terre. Bordel! Qu'est-ce qu'on va faire? Plus qu'à espérer qu'ils viennent pas ici. Bon, bah... plus qu'à s'occuper. Vu qu'on peut plus rien faire d'autre. Je vais bien m'ennuyer maintenant. Mon amour va bien manquer maintenant qu'elle doit être morte. Mesdames et messieurs, bonjour, ici les informations. Alors pour commencer, je suis très déçu parce que je vous ai laissé mon numéro, j'ai toujours peu d'appels. Enfin bref, regardez autour de vous, regardez dehors, il y a des radiations. Nous allons voir, grâce au satellite de ma chaîne d'information, les images terribles. Vous voyez comme c'est horrible? Surtout, ne sortez pas. Ou alors, j'ai une nouvelle idée, vous allez voir, c'est cocasse. Sortez couvert! J'ai remarqué qu'en fait, une combinaison pouvait permettre de se protéger des radiations. Et donc, d'aller au McDo. Enfin, a priori, voilà. A priori, je pense qu'en utilisant de l'aluminium, et je sais pas pourquoi, mais l'aluminium, ça c'est bien l'aluminium. Ça protège les extraterrestres. Pourquoi pas des zombies et des radiations. sortez couvert. Ne sortez pas, ou alors sortez couvert. C'était votre entretien, votre agent d'entretien préféré pour vous servir. À la prochaine. C'est quand j'ai plus de bouffe que je dois aller dehors là, qui me dit que je peux pas sortir, que c'est des radiations. Sortir couvert? Ok, je vais sortir couvert. Quel horreur. Tous ces décombres. Ces morts, mais surtout tous ces putains de zombies. Impossible d'aller chercher à manger, impossible d'aller chercher à boire. Je suis condamné ici. À moins qu'il me faut une arme. Oui. Ça fera l'affaire. Demain, ça sera un bain de sang. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici l'agent d'entretien. Cela fait donc déjà le quatrième journal que je fais. Et donc, je voudrais remercier toute mon équipe, c'est-à-dire moi, puisque je suis tout seul, pour tout ce qu'on fait. C'est magnifique. Je vous remercie de me suivre chaque jour, de voir... tout le travail que je fais pour vous, pour moi, c'est quelque chose. Un genre d'entretien, vous voyez bien, c'est pas... Aujourd'hui, j'ai eu la chance de vous présenter le journal du Hard. Le journal de l'Apocalypse. Excusez-moi, le journal du Hard, c'est samedi sur la 4. Aujourd'hui, il est important que je vous parle quelque chose de... terrifiant. Enfin, terrifiant. Ils sont tous mignons. Je ne peux pas sortir, malheureusement, car je suis, je ne sais pourquoi, coincé.
Mais si vous regardez dehors, vous verrez qu'il y a d'autres créatures en plus des zombies. Et oui, mesdames et messieurs, des créatures de l'apocalypse. Regardez cette image. N'est-ce pas horrible? Oui, si, c'est horrible. J'ai une petite théorie là-dessus, mais je suis pas encore sûr. Je vous le dirai sûrement quand je serai sûr. En attendant, pour vous divertir, j'ai inventé un petit jeu. Enfin, comme je suis coincé ici, il faut bien que je m'occupe. Comme les vidéos porno, ça passe vite. Enfin bref, j'ai inventé un jeu qu'on pourrait appeler l'explose zombie. En fait, c'est tout simple. Si vous regardez bien, les zombies, ils sont pas si affolants que ça. Ils marchent lentement, ils alignent pas plus de trois mots, genre « je veux cerveau ». Enfin bref, du coup, je me suis dit que si on prenait une batte de baseball, ou tout objet qui ressemble à une batte de baseball, pourrait leur éclater la tronche. Donc, si vous vous embêtez, ça fait en famille. Sortez couvert, toujours, évidemment, avec votre truc en aluminium. Prenez une batte de baseball, explosez-leur la tronche à ces crétins de zombies. S'il reste des survivants, ce serait sympa de m'apporter à bouffer parce que j'ai plus grand chose. C'était votre agent d'entretien, toujours fidèle au poste. Je suis prêt. Pourquoi toi, mon amour? Pourquoi es-tu devenu zombie? Je n'avais pas le choix. Excuse-moi. Excuse-moi de t'avoir tué. Pas de bouffe rapportée. J'ai tué l'amour de ma vie. Journée de merde. Je vais pas m'en sortir. Je vais pas m'en sortir. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici les informations de l'apocalypse. Ouais, je trouvais que ça sonnait bien comme nom. Alors déjà, je tiens à dire, je suis pas trop content parce que, comme vous pouvez le voir... Coucou. J'ai le bras flex. Non, j'ai plus de bras parce que j'ai faim. Vous m'avez pas amené à manger. Ça aurait pu être sympa pour votre présentateur préféré. Du coup, j'ai mangé mon bras. C'est pas cool, quoi. Enfin bref, j'ai une théorie d'où viendraient les créatures de l'apocalypse. Oui, oui, en fait, nous avons pu observer avec le satellite que les zombies, comment dire ça, copulent, c'est ça, ils copulent des images terribles. C'est horrible, n'est-ce pas? Il est important de faire en sorte que les zombies ne copulent pas. Donc, nouvelle règle dans l'explose zombie, on prend la machette et on coupe enfin, vous voyez quoi, on coupe le... Ça s'appelle le coupe-kiki, quoi. Voilà, c'est une nouvelle règle dans l'explose zombie, ça permettrait peut-être qu'un jour, s'il reste une civilisation autre que moi, nous survivions. C'était votre entretien avec... Le chef de l'entretien. Petite veine sympa, n'est-ce pas? Oui, je m'ennuie tout seul ici. Hein. Faut bien que je trouve des blagues. Toujours là au poste. L'agent d'entretien. Fidèle. Fidèle. Et surtout, j'ai faim. Non, je peux pas manger mon bras. Faut que je trouve à manger. Ah, comment ils sont rentrés? Saloperie. Putain de merde. Culé de zombie. C'est la fin. Je peux plus sortir. Un zombie m'a mordu. J'ai plus de nourriture, plus à boire ici. C'est la fin.
Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, l'heure est grave. Votre présentateur journal préféré, c'est-à-dire moi, annonce que c'est la fin. Et oui, en exclusivité dans le journal de l'Apocalypse, je vous déclare que nous sommes perdus. Je sais pas si vous entendez les bruits là, mais les créatures de l'Apocalypse arrivent et vont me manger. Alors, je vous dis adieu. Merci d'avoir suivi. Et surtout, sortez couverts. Oh mon Dieu. Non, non. A dû s'infecter. J'ai chaud. Je vais devenir comme eux. Un putain de zombie. Vie de merde. Humain de merde. Vous nous avez détruits. Et Dieu, toi là-haut. En 6 jours, t'as créé le monde. En 6 jours, tu l'as de nouveau détruit. Salaud. Je vais venir te botter de cul, Dieu. Tu vas souffrir.